J'ai vraiment parcouru le chemin de la liberté. La perte de Gusta est un sacré coup dur. Sans personne. C'est pas votre faute, je sais. Utilisez l'entrée de derrière. S'il y a trop de trafic qui passe par l'église, hey, votre père sera... Carrington. Ah, vous voilà. Parfait. Il y a du nouveau. Une bande de pillards a capturé l'un de nos agents. Nom de code, Corbeau. Le problème, c'est que nous pensions qu'il avait été tué. Au repère Augusta. Aussi improbable que ce soit, Desdemona espère que Corbeau est bel et bien vivant. Et qu'il pourra nous dire ce qui est arrivé des synthétiques d'Augusta. Et c'est vous qu'elle charge de cette tâche futile. Si Corbeau est vivant, il faut le ramener. Comme vous voudrez. Vous trouverez toutes les infos dans la boîte aux lettres mortes. Les prisonniers des pillards n'ont pas une grande espérance de vie. Enfin, bonne chance quand même. À chaque synthétique sauvée, je paye ma tournée. Voilà ce que j'ai. Vous êtes chez vous ici, après ce que vous avez fait. Salut, bon travail.
conscience de tout ce que vous avez fait pour nous. Là. Vous êtes avec une caravane ou avec les pillards? Pardon? Je vous ai demandé si vous étiez avec une caravane ou avec les pillards. Alors? Je ne comprends pas ce que vous me demandez! Sérieusement? On est à Bunker Hill. Toutes les caravanes du Commonwealth passent par ici. Et on graisse la patte de toutes les bandes de pillards des environs pour qu'ils nous laissent tranquilles. Donc, il n'y a que deux types d'individus qui viennent ici. Les pillards et les caravaniers. Dans quelle catégorie vous vous situez? Je ne suis avec personne! Vous êtes à votre compte, hein? D'accord. Venez. Mais défense de sortir une arme à feu. Le marché est ouvert. Si vous avez envie de faire du troc, n'hésitez pas. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour fortifier cet endroit. Pas essayer de mettre un peu de plomb dans la tête de mon crétin de fils. Ça coquinait avec le réseau du rail. C'est aller au-devant des ennuis. C'est toujours bien d'aider les gens. Aider les gens, ça ne me pose aucun problème. Les synthétiques, par contre... Tout ce que je fais, c'est aider des marchands crasseux à devenir aveugles en leur servant ce torboyau infâme. Au moins, le réseau du rail se bat contre l'Institut. Et pourquoi ce serait pas une bonne idée de sauver les synthétiques? Et t'as l'intention de rejoindre la société de préservation des écorcheurs aussi, tant que tu y es? Essayer de sauver les synthétiques, ça me semble plutôt noble comme idéal. Je suis pas seul là, papa. Ça suffit, on a des clients. Vous cherchez un endroit où loger? Sautez sur l'occasion ou elle risque de vous filer sous le nez. Très bien, voilà l'argent. Les coups de feu sont interdits après minuit. C'est la règle ici. Puis-je avoir votre attention, monsieur? Bien sûr, Cotsworth. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose sur le cœur, si je puis m'exprimer ainsi. Je voulais vous dire à quel point j'étais honoré d'être à vos côtés. Vous ne pouvez imaginer le cauchemar que j'ai vécu ces deux derniers siècles. Le cataclysme. Ne pas savoir si vous et votre famille aviez survécu. Comme je fus soulagé de trouver l'entrée intacte. Ça n'a pas été facile, j'imagine. Comment tu as tenu le coup? J'ai d'abord travaillé jour et nuit, sans relâche. Et croyez-moi, ce ne sont pas les tâches qui manquaient. Mais progressivement, les grands travaux ont laissé la place à de modestes corvées. En réalité, ce sont mes souvenirs qui m'ont sauvé, monsieur. Les moments passés avec madame et vous. Avec le jeune Sean, votre amour et votre gentillesse. J'ai tenu bon envers et contre tout. Aidé par l'espoir qu'un jour je verrai émerger, si ce n'est votre femme et vous, au moins Sean ou ses enfants. Pardon de t'avoir fait attendre autant. J'aurais aimé qu'on sorte de là tous ensemble. En famille. Moi de même, monsieur, moi de même.
C'est un grand malheur. Je voulais vous dire que je vous considère comme un parent. Je ne suis qu'un simple robot pour la plupart des humains, mais j'espère être plus que ça pour vous. Tu es un membre à part entière de notre famille, Codsworth. On va devoir se serrer les coudes. Ensemble. Oh, c'est tellement merveilleux de vous entendre dire cela. Mes batteries se retrouvent rechargées comme au premier jour. Enfin, je vais m'arrêter là avant que du liquide de refroidissement ne commence à couler de mes appendices oculaires. La chambre est à vous pour 24 heures. J'espère que nous allons trouver un bar ici. Bien le bonjour, monsieur. Dites-moi, quelle est la spécialité du patron, comme disent les humains ? Corbeau repéré. Gravement blessé. Bien trop d'ennemis pour que le coursier engage le combat. Demande assistance au QG.
quartier. Qu'est-ce que c'est? Ça va être chaud. J'ai quelques formes de vie hostile. Corbeau repéré. Gravement blessé. Bien trop d'ennemis pour que le coursier engage le combat. Demande assistance au QG. Thank you.
Je suis... Attendez là. Tout le plaisir est pour moi. Ce qui est à moi est à vous, monsieur. Ça y est. Thank you.
vous n'avez pas besoin de soins médicaux. Laissez-moi tranquille. Corbeau, le survivant d'Augustin. Il est mort. Je n'ai rien découvert concernant les synthétiques. Je m'en doutais. Au moins, vous êtes indemne. Peut-être que Desdemona m'écoutera la prochaine fois. J'espère que ça vous sera utile pour vos prochaines missions. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser... C'est calme, pour l'instant. Pourquoi pas, c'est terrible. Ouais, trop de nitroglycérine. Va falloir se remettre au boulot.